hello my wonderful people. I hope you guys is doing great. Well, in this video, I'm going to be sharing with you guys the International Airport of Ivory Coast. Starting from the outside, the parking place, where the taxi are parking, the hall, and the whole environment. Okay? So, watch the video and you will have an idea how the International Airport of Ivory Coast looks like. Stay tuned, bro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'environnement de l'aéroport et où les taxis sont. Quand vous voyagez, vous arrivez, vous pouvez prendre le taxi facilement. Aussi dans le hall et puis le parking. En tout cas, je vous montrerai ce qui est nécessaire et en tant que possible. Alors, reste connecté. À tout à l'heure. Déjà l'arrivée qui est là, vous ne craignez rien, il y a la police, il y a la sécurité. So this is the arrival, okay? There is police, the security is okay. So when you arrive, okay, and you want to take a taxi or order a taxi, this is where the taxi are. They are in lane, so you just come and then order your taxi. Those taxi are genuine. You don't have to worry about the security. In case you lost something in the taxi, you will find it. Just take the number plate and you are good to go. Voilà, quand vous arrivez de votre voyage, voici où vous pouvez emprunter le taxi. Quand vous n'avez pas commandé vos Nyango ou bien quand vous n'avez pas envie de prendre le taxi dans les rues. Les taxis sont reconnus. Voilà, ils ont mis stationnement, ils ont mis observation de la fluidité des transports. Voilà, stand d'information. Voilà, si vous voulez emprunter du taxi, quand vous quittez en voyage, vous pouvez venir ici vous renseigner. Voilà, il y a les affiches de tous les prix qui sont là. Donc, ces taxis-là sont reconnus. Okay, so those taxis that I've shown already, they are well known by the government. Okay, so if you are here and you are taking any taxi, you don't have to worry about the security. They will take you to where you are going to. So I will try to talk to some of the taxi drivers and see, and we will find out much about how the taxi work here. Is going, okay? Donc je vais essayer de causer avec quelques chauffeurs de taxi et puis on va mieux comprendre comment le coin fonctionne, quoi. Voilà. Alors on continue. On va avoir toutes les informations aujourd'hui. We are going to have all the information today. Voilà. Les prix sont là. All the prices are here. Hey, voilà, bonjour. Voilà, je suis avec un chauffeur de taxi. So I'm with one of the taxi drivers. Bonjour, mon patron. Bonjour, chef. Bon, moi, je suis un chauffeur de taxi. Je me nomme Osiaka Traoré. D'accord. Je suis un chauffeur de taxi de l'aéroport. Parce que c'est différent des chauffeurs de taxi de la ville. Les chauffeurs de taxi de l'aéroport, eux, vous. Spécialement à l'aéroport. D'accord. Quand ils vont déposer un client en ville, ils reviennent encore à l'aéroport. Donc, c'est pour cela, quand on prend un client, le ministère du Transport est à côté. Okay. Il nous donne un papier où il y a le nom du chauffeur, okay, le numéro du chauffeur et le numéro du ministère du Transport. Donc, en cas de perte ou en cas d'oubli d'un passager, d'un bagage dans le véhicule,
À chaque fois qu'on prend un passager, on lui donne ce bout de papier. Donc, à chaque fois que tu reviens dans le rang, tu prends le bout de papier. D'accord. Et quand tu prends un passager, tu lui donnes le papier. Donc, en cas de perte, le papier, le passager peut te retrouver facilement. Voilà. S'il n'a pas pu joindre le chauffeur, il peut joindre facilement le ministère des Transports pour récupérer ses... C'est différent des taxis de la ville. Les taxis de la ville, quand tu prends, s'il y a une perte, bon, franchement, c'est un peu difficile de retrouver tes bagages. Donc, c'est ça. On vient faire le rang. On peut faire 1 heure, 2 heures. On attend les passagers qui quittent spécialement dans l'avion. Oui. Voilà, les passagers des vols. D'accord. C'est eux seulement, on prend pas les passagers de la ville. D'accord. Voilà, donc c'est... J'aimerais savoir, ça fait combien de temps vous êtes chauffeur ici ou chauffeur en général? Bon, je suis chauffeur il y a un peu longtemps. Je suis chauffeur, ça peut faire 20 ans. 20 ans. Voilà, mais je suis ici il y a 3 ans. Il y a 3 ans de cela. Et votre expérience en tant que chauffeur à l'aéroport et la différence, votre expérience, la différence entre être chauffeur en ville et chauffeur à l'aéroport. Bon, franchement, être chauffeur à l'aéroport, il y a beaucoup d'expérience parce que tu croises toutes sortes de personnes. Tu croises des personnalités, tu croises des artistes, tu croises, et puis ça te rend sage. Et puis ça t'apprend aussi à parler aux gens. Parce que ceux qui viennent, ce n'est pas les gens de la ville, c'est les gens qui quittent à l'extérieur. Donc, il faut savoir parler. C'est-à-dire, au fait, ça te rend sage, sans le vouloir. Mais tu es obligé d'être sage parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Voilà, donc c'est comme ça. Je voulais savoir. D'accord. Donc, le chauffeur va aller travailler, je lui laisse. C'est voilà, toi qui charge. Voilà, c'est moi qui suis en tête. Voilà. Il y a un passager qui est là, avec ses bagages, c'est moi qui suis voilà, en tête. Voilà, voilà les passagers qui sont là. Je suis obligé de te laisser. Voilà, d'accord, merci pour ton temps. Okay, merci. Il apprécie beaucoup. Merci. D'accord. C'est l'environnement de l'aéroport qui est là. This is the airport environment. Yeah. Look beautiful. Subscribe, please. Kindly subscribe after watching the video. Abonnez-vous, c'est très important. C'est les toilettes qui sont là. So, those are the restrooms. Yeah. For those who, for the Muslims, if you want to pray, pour les musulmans, quand vous voulez prier, c'est là. So, here are the toilets. Les toilettes sont très propres. Bonjour, monsieur. Alors, comme tout aéroport, il y a forcément des restaurants. Alors, je vous montre un peu. Yeah. So, for every airport, there is a restaurant. Okay. So, right now, I'm in the hall. Je suis présentement dans le hall. Et si vous voulez, voilà. Ça, c'est le restaurant qui est là. It's the restaurant. Yeah. Le restaurant de hall qui est là. Voilà. Le hall est vraiment grand. The hall is really huge. This is what I love about the International Airport of Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Le hall est super grand. Voilà. Super, super grand. Ça, c'est l'arrivée. Ceux qui sont arrivés, ils sortent. Yeah. Ça, c'est la petite porte de l'arrivée qui est là. Ils en sortent de là. Ici, c'est le bureau d'échange.
Quand vous arrivez, vous voulez changer votre argent, c'est le bureau d'échange qui est là. Voilà, ici on vous donne le taux normal. Il y a les guichets aussi, automatiques qui est dedans. Voilà, caméra partout ici. There is camera everywhere here. So, you can't hide yourself here. Ici, vous ne pouvez pas vous cacher parce qu'il y a caméra partout. Ici, il y a les banques qui sont là. Voilà la pharmacie qui est là. Voilà la pharmacie. This is a pharmacy in the airport. If you want to buy any medicine, soap, perfume, everything that you want here. Et ici, c'est le service d'accueil. Yeah. Alors derrière, si vous venez, derrière moi, si vous venez que vous voulez payer une puce ou bien vous voulez faire acheter du crédit, voilà, derrière là, pour acheter du crédit, il y a les hôtels, c'est service d'accueil des hôtels qui sont représentés ici. So, when you are here and you love to buy a credit card or buy a new SIM card or you want to book for a hotel, if you did not already done it, in the back, this is where you come for all this. Yeah, is the France Library. Ici c'est librairie de France. Voilà. Et ici c'est le départ. Ça c'est le départ qui est là. Ça c'est le départ ici. Voilà, c'est le contrôle qui est là. Poste de contrôle ici. Ça c'est le départ qui est là. Voilà, c'est le contrôle de c'est la sécurité. So this is the departure. So here is the control, the security. Yeah. C'est le parking qui est là. This is the parking. Vous voulez garer vos voitures et voyager? C'est le parking. You want to park your car here before traveling? This is the parking. But it's very expensive. Ici, c'est super, super cher parce que une heure, c'est 500 francs. 1 hour here is 500 CFA, which is like about a dollar. So if you are parking your car here before traveling, you have to be ready. If imagine 1 hour, $1 per hour, you have a lot to pay. Imagine une heure à 500 francs, c'est pas du jeu. Et voici la caisse qui est là. This is the cashier. Yeah.
Ici, c'est Airport d'Abali. This place is called Airport d'Abali, which means that it's a place where you can have an affordable food. C'est un endroit où vous pouvez avoir de la nourriture à moins coût, moins coûteux. Voilà. Pratiquement tous ceux qui travaillent à la réponse, c'est ici qu'ils viennent, ils viennent se ravitailler. This is all I have for today. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Voilà. Catch you up in my next video.